Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te mets à disposition des séances de yoga et des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites être informé des nouveautés, tu peux cliquer sur la cloche et t'abonner. N'hésite pas à liker cette vidéo et partager ta séance avec tes amis. Tu peux aussi mettre un commentaire pour me donner tes ressentis sur ta pratique. Si tu veux booster ton running grâce au yoga avec moi, je serai ravie de t'accueillir lors des séances thématiques que j'anime en région toulousaine. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve au bord de l'Atlantique, en Espagne et plus particulièrement en Galice. Je te propose une séance de moins de 10 minutes à intégrer dans ta journée. Assis-toi en position du lotus, bien ancré sur la chair de tes fesses, les jambes pliées, les mains sur tes genoux et les paumes vers le ciel. Le dos est bien droit et tu prends conscience de ta respiration. Sur une inspiration, tu ramènes tes mains en prière devant le cœur. Tu expires et à la prochaine inspiration, les mains se lèvent vers le ciel, tu regardes tes pouces. À l'expiration, ta main droite se pose au sol, ta main gauche est tirée en diagonale, l'épaule gauche vient sur l'oreille et tu étires tout le flanc gauche. Puis à la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, tu fais l'autre côté. C'est l'épaule droite qui se pose sur l'oreille, la main gauche qui se pose sur le sol. Et tu recommences encore deux fois de chaque côté, à ton rythme. Sur ton cycle respiratoire. Quand tu auras fini ton enchaînement, les mains montent vers le ciel à l'inspiration et à l'expiration, mains en prière devant le cœur. Je t'invite à passer en position de la table, à quatre pattes, le dos est neutre, épaules, coudes, poignets alignés et les genoux sont largeur de hanche. À l'inspiration, tu vas monter le nez vers le ciel, creuser le dos. Et à l'expiration, tu pousses dans tes bras, tu arrondis le dos et tu mets le nez vers le nombril. Tu recommences deux fois selon ton rythme respiratoire. La position du chat et la position de la vache. À la fin de tes répétitions et à l'expiration, tu peux poser tes fesses sur tes talons, position de l'enfant, les bras soit allongés devant la tête, soit de chaque côté du corps. À la prochaine inspiration, tu glisses la tête vers l'avant, tu poses ta poitrine au sol, tu pousses dans tes bras, position du cobra, les jambes sont tendues, le dos creusé. Et à l'expiration, tu reviens en position de l'enfant, les fesses sur les talons. Et tu recommences encore deux fois ce mouvement, deux glissades vers l'avant en position du cobra, et vers l'arrière en position de l'enfant. Je t'invite à redresser le buste et à t'asseoir sur tes talons. Ton dos est droit. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces et à l'expiration, mains en prière devant le cœur. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, la main droite se pose à l'arrière de tes fesses sur le sol et tu lèves ton bassin, tu pousses tes hanches vers l'avant du tapis et le bras gauche s'étire vers l'arrière. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel et tu fais pareil de l'autre côté. La main gauche se pose au sol, le bras droit s'étire vers l'arrière et les hanches poussent vers l'avant. À l'inspiration, les mains remontent vers le ciel et à l'expiration, torsion, la main droite se pose à l'arrière de tes fesses et la main gauche se pose sur ton genou droit. Tu fais pareil de l'autre côté. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, torsion du côté gauche. Je te propose de te rasseoir en position du diamant, les fesses sur les talons, mais cette fois-ci les orteils recroquevillés. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, position de l'enfant, le front au sol, les mains tendues au-dessus de ta tête, les fesses sur tes talons. À l'inspiration, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes orteils, tu lèves tes fesses vers le ciel et tes genoux montent de quelques centimètres.
Tu redescends et tu repasses en position du diamant assis sur tes talons. Tu recommences encore deux fois, à ton rythme, tranquillement, pour préparer la position du chien tête en bas. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, position de l'enfant, bras tendus devant. Tu pousses dans tes jambes, tu lèves les fesses vers le ciel et cette fois-ci, tu passes en chien tête en bas. Les genoux sont légèrement fléchis, le dos est bien droit, tu pousses dans tes mains, tu rapproches tes omoplates et ta nuque est relâchée. Tes fesses sont bien vers le ciel et tu peux marcher dans ton chien tête en bas pour détendre un petit peu tes ischio-jambiers, tes mollets. À la prochaine inspiration, tu roules vers l'avant, position de la planche, épaules coude poignet alignés. Puis tu pousses tes fesses vers le ciel, position du chien tête en bas. À l'inspiration, tu roules vers l'avant, planche. Et à l'expiration, tu pousses tes fesses vers le ciel, tu creuses ton dos, chien tête en bas. Et tu recommences encore une fois à ton rythme. À l'inspiration, la jambe droite monte vers le ciel et à l'expiration, le genou droit vient entre la poitrine. Tu serres bien tes abdos, tu pousses dans tes bras. À l'inspiration, la jambe remonte vers le ciel à l'arrière et à l'expiration, le genou droit vient toucher le coude gauche. Tu serres bien tes abdos, à l'inspiration, la jambe monte vers le ciel et à l'expiration, le genou droit vient toucher le coude droit. Tu repousses ta jambe droite vers le ciel à l'arrière. Et à l'expiration, le genou droit se pose entre les deux mains à l'avant, épaule coude poignet aligné, la jambe arrière étendue. Position du pigeon actif. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes coups de pied et tu lèves tes genoux de quelques centimètres du sol en serrant bien tes abdos. Tu recommences deux fois sur ton cycle respiratoire. À la prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, la jambe droite monte vers le ciel. Et à l'expiration, ton pied droit vient se poser entre les deux mains à l'avant, position de la fente. Haute, le talon arrière ne touche pas le sol, la jambe est tendue. À l'avant, la jambe est à 90 degrés et tu montes les mains vers le ciel. Tu inspires et à l'expiration, tu passes en guerrier 2, les deux bras se tendent de chaque côté du corps. Le talon arrière à 90 degrés, la jambe avant est fléchie. À la prochaine inspiration, la main droite monte vers le ciel, la main gauche vers le sol, guerrier pacifique. Puis à l'expiration, le coude droit sur le genou droit. Et la main gauche en diagonale, l'épaule touche l'oreille. Prochaine inspiration, retrouve un guerrier 2. Puis à l'expiration, tu tends ta jambe à l'avant, ton bras droit vers le sol, ton bras gauche vers le ciel, tu regardes ta main gauche vers le ciel et tu es en position du triangle. À la prochaine inspiration, tu plies ta jambe à l'avant et tu mets ta main droite au sol, ta main gauche est toujours vers le ciel. Puis à la prochaine inspiration, tes mains reviennent de chaque côté de ton pied, ta jambe avant est fléchie et tu passes en position de la planche, les deux pieds vers l'arrière. Épaule, coude poignet aligné, tu contractes bien tes abdos, tu descends tes fesses. Tu descends sur le sol en faisant une pompe, puis tu pousses dans tes bras, tu remontes en cobra, tu regardes droit devant. Tu reviens sur le sol, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, tu lèves les fesses vers le ciel, position du chien tête en bas. Je t'invite à faire le même enchaînement de l'autre côté. La jambe gauche vers le ciel, puis le genou gauche entre la poitrine, tu contractes tes abdos. Tu recommences jambe vers le ciel et genou gauche au coude gauche. Tu pousses la jambe vers le ciel et genou gauche sur le coude droit. Tu serres bien tes abdos et tu pousses dans tes bras. Tu remets la jambe vers le ciel et cette fois-ci, ton genou gauche se pose entre les deux mains à l'avant. Position du pigeon actif, la jambe arrière se tend. Tu pousses dans tes coups de pied, tu pousses dans tes bras, tu lèves tes genoux de quelques centimètres et tu recommences encore deux fois. À la prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, la jambe gauche monte vers le ciel et à l'expiration, le pied gauche se pose entre les deux mains à l'avant, fente haute, tu montes les mains vers le ciel, la jambe à l'avant est à 90 degrés, la jambe arrière est tendue, le talon ne touche pas le sol. Tu rétroverses légèrement le bassin pour ne pas creuser le dos. Tu passes en guerrier 2. La jambe à l'avant est fléchie, le talon arrière est à 90 degrés, tes bras sont bien tendus. Prochaine inspiration, guerrier pacifique, la main gauche monte vers le ciel et tu poses ton coude gauche sur ton genou gauche à l'expiration, la main droite se tend en diagonale, l'épaule contre l'oreille. Tu reviens en guerrier 2, tu glisses vers l'avant, à l'inspiration tu tends ta jambe avant,
Ta main gauche vers le sol, ta main droite vers le ciel, tu regardes ta main droite, tu es en triangle. À la prochaine inspiration, ta jambe à l'avant se fléchit et ta main se pose au sol. La main droite est toujours vers le ciel. Prochaine inspiration, les mains repassent de chaque côté du pied à l'avant du tapis. Tu pousses dans tes bras, tu passes en planche. Puis, chaturanga à l'expiration, chien tête en haut ou cobra et chien tête en bas. Je t'invite à prendre un petit moment de relâchement dans cet effort. Un moment de détente dans ce chien tête en bas pour accueillir les sensations de cet enchaînement dynamique. Quand tu auras trouvé le moment juste pour toi, tu pourras passer en position de l'enfant en déconstruisant la posture du chien tête en bas tout doucement. Tes fesses sur tes talons, ton buste sur tes genoux et ton front sur le sol, tes bras de chaque côté du corps ou vers l'avant. Tu peux faire le choix de terminer cette séance dans cette position ou revenir comme moi en position du diamant, assis sur tes talons. Si tu es en diamant, à l'inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, tu ramènes les mains en prière devant le cœur en fermant les yeux. Je te propose de prendre un temps pour te remercier, ressentir de la gratitude envers toi-même pour ce moment de bien-être que tu t'es accordé. Je te remercie pour ma part de pratiquer avec moi et te dis à très bientôt. Namasté.